se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo sur ma commande pour Los Angeles. Donc c'est ma commande chez Boohoo. Je pars dans environ 2-3 semaines à Los Angeles. Et je me suis dit que j'allais vraiment faire une commande là-dessus. Ça changera des autres vidéos genre haul, etc. Là c'est vraiment que pour Los Angeles, à part 2-3 petits trucs. Donc, vous allez voir, j'ai pris des trucs assez simples et des trucs en même temps assez cool. J'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Aussi j'ai trop hâte de vous faire des petites photos avec ces tenues à Los Angeles. Vous verrez, je vous ferai peut-être un lookbook là-bas ou une IGTV de mes tenues là-bas, parce qu'il n'y aura pas que du Boohoo, il y aura aussi d'autres marques. Profitez-en parce qu'en ce moment c'est les soldes sur le site Boohoo. Donc c'est trop cool, profitez-en. Et aussi bien sûr je vous mets tous les liens comme d'habitude dans la description de chaque article. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ça et bien sûr je les essaierai, etc. pour que vous voyez ce que ça donne. Je suis grave excitée, je sais pas si ça se voit. Donc en premier j'ai pris cette petite veste. Je sais pas si elle me sera utile à Los Angeles étant donné qu'il fait genre 20 degrés, mais peut-être le soir. Mais en tout cas même pour ici genre en France, je la trouve trop belle. Donc j'ai pris une petite veste, elle est fourrée dedans en genre mouton, donc elle est blanche et noire. Et franchement j'adore le style, je trouve que ça change un peu. Et voilà, je la trouvais vraiment canon. Je trouve que ça veut faire une belle petite tenue, genre un petit jean noir, un petit pull beige et des bottines, ça veut faire grave beau. Et donc cette veste je l'ai prise en 36. Ensuite, donc ça c'est pour Los Angeles, bien sûr j'ai pris un cycliste. C'est un cycliste un peu plus épais que genre les cyclistes leggings que j'ai déjà, parce que j'en ai déjà deux, j'en ai genre un noir et un gris. Et donc celui-là il est une matière un peu plus épaisse, un peu brillante comme ça. Je trouve que c'est trop beau genre avec un gros pull dessus ou avec un t-shirt, même un crop top assez large, ça peut faire super beau. J'ai pris deux shorts en jean, j'ai pris un noir et un couleur jean. Donc en noir il y a celui-ci, donc tout simple avec des trous ici et des poches. Et voilà comment il est derrière, il n'y a pas grand chose à dire à part que c'est un jean, un short en jean tout simple. Ça moi j'adore les mettre avec des hauts genre un peu oversize ou des crop tops genre. En fait c'est un truc qui va vraiment avec tout. Celui-ci je l'ai pris en 34, c'est ma taille habituelle. J'ai pris un autre, donc je crois que j'ai pris le même mais en couleur jeans. Je l'ai pris en 34 aussi. Et en couleur jeans, il ressort grave cool. Genre en mode, tu peux mettre avec ce que tu veux, même un t-shirt, c'est grave stylé. J'ai un petit haut, je vais vous montrer ça tout de suite. Je l'ai pris en 34, par contre c'est un haut en tulle. Et je trouve qu'avec le petit short et des petites baskets, ça peut faire grave une tenue stylée. C'est bustier. Je trouve que ce haut, il est grave beau, ça fait grave poupée je trouve. Et derrière du coup, il y a une petite fermeture. Il y a aussi le haut que je porte sur moi là, parce que je suis sûre que vous allez me demander d'où il vient. Donc il vient de chez vous aussi, je l'ai pris dans cette commande là. Et donc en gros il est assez long. Voilà, je l'aime beaucoup, il est tout simple. Et c'est une couleur qui change un peu et qui égaye un peu en cet hiver. Et pareil pour Los Angeles, ça peut être grave cool parce qu'il fait pas très chaud. Mais voilà, c'est une couleur assez estivale on va dire. J'ai l'impression que je raconte n'importe quoi dans cette vidéo, mon dieu. On reste dans le noir. Donc ces robes t-shirts tout pack. Voilà, pareil pour Los Angeles, je trouve ça grave stylé. Les robes t-shirts j'adore. Et même avec des petites bottines, je trouve ça trop canon. Et des baskets aussi. Ça se met un peu avec tout, mais ça se porte un peu en style genre sport. Ce t-shirt je l'ai pris en 36, donc taille 8. Ensuite ça c'est trop cool, j'ai deux ensembles de jogging. Je pense que je vais plutôt les prendre genre pour voyager et même genre ici, genre pour le dimanche ou pour les jours un peu chill. Je trouve ça grave beau les ensembles. Donc il y a cet ensemble là, donc c'est en velours avec du léopard, donc le haut comme ça, le sweat. Et le bas il est comme ça, donc blanc et léopard, et il est serré en bas. Donc ça j'aime trop quand c'est serré en bas, j'aime pas quand c'est trop loose. Et on peut porter en plus le haut et le bas séparés. Il est tellement doux. Et le deuxième ensemble de jogging, c'est celui-là, il est canon. Donc en fait c'est un sweat gris avec des bandes blanches. Il est crop top, donc il est assez court. Et ensuite il y a ce jogging là, donc c'est un bas de jogging. Pareil, il est resserré en bas, il y a des petites bandes blanches de côté. Et je trouve que l'ensemble est canon. Donc ces deux ensembles là, je les ai pris en 36 tous les deux.
Ensuite j'ai pris une robe assez mims, donc c'est une robe noire et blanche, donc c'est un peu effet animal comme ça. Et ce que je kiffe c'est qu'il y a les bras genre évasés et tu peux les resserrer, donc soit tu peux laisser comme ça, soit tu peux faire genre bouffant les manches, qui est grave cute aussi. Et donc en fait c'est une robe portefeuille genre devant, elle se croise. Et tu peux mettre la ceinture et ça c'est trop cool parce que tu peux vraiment l'ajuster à la taille comme tu veux. Celle-ci je l'ai prise en 36. Ensuite là on arrive vraiment à un truc que je kiffe de la commande vraiment. C'est cet ensemble là, donc c'est vendu ensemble. Donc c'est une robe léopard avec un petit t-shirt moulant en dessous. Et genre elle a une petite fente devant la robe, je trouve ça canon. Ce qui est trop cool c'est qu'en fait c'est vendu ensemble. Tu peux le faire en deux parties, donc tu peux mettre soit le haut tout seul, soit la robe toute seule. Et c'est à dire que sous la robe tu peux même mettre un haut genre manche longue s'il fait un peu plus froid l'hiver. Et tu peux mettre aussi un t-shirt blanc en dessous si tu préfères du blanc au noir. Après moi ce que j'aime aussi avec ces petites robes c'est que tu peux même mettre un petit pull dessus, genre par dessus, et ça fait assez stylé aussi. Et ça pareil, des petites baskets ou des bottines. Putain je suis vraiment trop fan de sa mère. Ensuite on arrive à une pépite de la commande, mon dieu. Genre moi je sais que j'ai une copine qui aime pas du tout, mais moi j'ai kiffé dessus. Donc je pense que les avis vont être grave séparés, en mode soit tu kiffes soit tu kiffes pas. Mais regardez, j'ai trouvé une veste en jean avec genre des diamants, genre qui tombent devant. Mais je trouve ça ouf. Et donc elle est comme ça devant, elle est assez courte et oversize. Et derrière, palam, pareil. Mais genre vraiment je trouve ça canon moi, j'adore ça. Genre imaginez ça avec un truc tout simple en dessous par contre, parce qu'il faut pas faire des trucs de ouf là en dessous. Je crois que ça va pas trop avec la robe, mais comme ça vous voyez au moins. Ensuite j'ai pris une jupe, je pense que mes acolytes du rouge vont kiffer. Donc j'ai pris une petite jupe rouge genre en mode vinyle qui se serre à la taille. Donc ça parfait aussi, je vous avais déjà dit que je kiffe ça parce que tu peux serrer à ta guise. Celle-ci je l'ai prise en 36 et donc ouais comme dit avec la ceinture c'est trop bien parce qu'on peut vraiment la serrer comme on veut. Et elle est un peu genre évasée en bas. Et donc celle-ci pareil tu peux mettre avec ce que tu veux. Moi j'aurais bien vu un petit haut blanc ou noir avec une écriture blanche ou une écriture rouge et des petites baskets. T'oses pas trop la mettre mais quand tu la mets genre c'est vraiment bomba. J'ai acheté quelques trucs de chez Boufit. Donc Boufit c'est genre tout ce qui est pour le sport etc. D'ailleurs essayez d'aller voir parce que c'est vraiment pas cher et c'est vraiment grave beau je trouve. Donc j'ai pris ce legging là. En fait moi j'adore les leggings, genre ça s'appelle seamless, donc on dirait que t'as rien sur la peau. C'est vraiment très moulant et la matière elle est super légère. Donc je l'ai pris en comme ça, donc il est un peu genre vert pastel et militaire. Donc celui-ci je l'ai pris en S. Et ensuite j'ai pris un ensemble, donc c'est vendu séparément, mais donc j'ai pris l'ensemble entier. Donc j'ai pris ce leggings là, donc pareil c'est seamless, donc t'as l'impression que c'est tout fin. Il est rose pastel, j'adore, et il y a écrit woman ici. Donc j'ai pris la petite brassière qui va avec, elle est trop belle. La brassière je l'ai pris en S aussi, comme le bas. Et donc c'est comme ça, et moi j'adore les brassières comme ça, donc il y a écrit woman aussi. Et elle est un peu rembourrée la brassière, parce que moi j'adore parce que bah, j'ai pas beaucoup de seins. Du coup team sans seins, si tu mets une brassière sans rembourrage, on dirait que t'as rien. Bref, mais du coup si vous voulez vous pouvez aussi les enlever, genre ça s'enlève, il y a un petit trou. Et tu peux les enlever et ça fait comme s'il n'y avait pas de rembourrage du coup. Et ça vraiment je suis fan, j'ai trop hâte d'essayer pour voir comment ça va. Putain c'est ouf. Ensuite du coup les accessoires, il y a deux accessoires de cheveux. Donc il y en a un qui c'est trop cool, en gros c'est vendu ensemble, donc il y a le serre-tête qui est vendu avec le petit chouchou noir. Alors le chouchou noir c'est trop ma base, genre en fait quand je me fais des queues de cheval ou des couettes et tout, genre j'aime bien mettre juste un chouchou, genre ça habille un peu les cheveux plutôt que de mettre un élastique tout simple. Il est genre en soie noire et le petit bandeau pépite, non mais regardez,
Oh mais j'aurais dû le mettre pendant toute la vidéo. Ensuite j'en ai pris un autre de Certes. Il est léopard avec des bordures blanches. Et pareil je trouve que ça habite grave les cheveux. En fait c'est trop cool cette petite mode de Certes qui est revenue. Parce que vraiment genre tu peux ne pas être coiffée et mettre ce petit truc et ça te fait grave genre ta tenue, enfin ta coiffure. J'ai pris des collants donc avec des écritures dessus. Et donc les écritures c'est des villes, donc Tokyo, Milan, Paris, New York, London, etc. Et voilà je les trouve grave beaux. J'ai trop peur de le mettre et de le tirer genre avec mes ongles alors que je vais pas le porter aujourd'hui. Je suis une mauvaise youtubeuse. Dernière chose, j'ai pris un petit sac à dos. Donc ça c'est trop pratique, genre même pour les cours c'est pratique de ouf. Je pense qu'il y a grave des cahiers qui rentrent là dedans il y a en cuir et il y a un rabat genre croco dessus. Du coup les amis me revoilà. Vous allez vous dire mais pourquoi elle est pas comme hier. En fait c'est un jour après parce que j'ai reçu le reste de ma commande le lendemain. En fait hier j'avais pas reçu toute ma commande. J'ai reçu le reste aujourd'hui donc je vous filme le reste aujourd'hui. J'ai 4 articles en plus. Il y a ce petit haut là en organza avec des pois noirs. Je le trouve trop mignon. Et je trouve que ça fait super stylé. Genre là en dessous j'ai mis une brassière noire juste. Bon normalement il faudrait mettre avec un pantalon noir. Mais voilà là j'ai mis un petit jean. Et je le trouve vraiment canon de ouf. J'ai pris ce petit t-shirt tout simple. Il y a juste écrit Honey dessus. Du coup je l'ai pris pour que ça aille vraiment avec tout. Et c'est parfait parce qu'on peut le mettre dans toutes les circonstances. J'ai oublié de vous dire mais les deux hauts d'avant c'était tous les deux des S. Là celui-ci c'est un 36 et du coup. Et regardez quand même il est cute. Genre c'est vraiment pour toutes les saisons en plus. Et il est super beau. En fait c'est un cache-cœur donc c'est ouvert à la base. Et tu peux faire serrer à ta guise et faire le nœud à ta guise. Et genre même avec ce jean il est grave beau je trouve. Franchement j'adore. Ce haut là franchement ça c'est des hauts que je kiffe. Genre avec une épaule je trouve ça trop stylé. Celui-ci je l'ai pris en 34 donc une taille en dessous de la mienne. Et je vous conseille vraiment de prendre une taille en dessous de la vôtre. Parce que genre là ça flotte un tout petit peu. Et je pense que là ça aurait été beaucoup trop large si j'avais pas pris une taille en dessous. Donc voilà si vous prenez il est assez court. Enfin il est très court. Mais franchement j'adore même pour l'été et tout. J'aime beaucoup. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire l'article que vous avez préféré dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous. Et on se retrouve la semaine prochaine. D'ailleurs la semaine prochaine il y aura sûrement une surprise. Je sais pas si c'est la semaine prochaine ou la semaine d'après que je vous l'annonce. Vous verrez. Et je vous fais plein de bisous. Building me